Merci, bonsoir, bonsoir, bonsoir à la première personne connectée. Merci. Un samedi. Ma Juju, comment tu vas? Comment allez-vous? Ouais. Merci, merci à tous ceux qui se connectent. Connectez-vous. Fatim le Diamant. Oui, merci. Lauriane Bayo. Ayo à tout. Pas si c'est à tous Zénia, mais je sais pas toujours. Merci, merci beaucoup. Ouais, c'est bon. Eh bien, elle va reposer en paix. Merci. Merci. On va se donner du temps. Le temps qu'on partage. Letty, Siadini, Mampout. Mon Dieu. Dassé, Zozo, comment va? Ouais. Merci pour les cœurs, partagez un peu, c'est indirect. On va causer un peu, on va parler des choses. Merci. Ok. Merci beaucoup. Merci. Ouais. Sinon, tout va bien. Je vais super bien. Je mets du perruque sur ma tête. Ben, je suis une femme réalisée. Donc, le reste là, comme on dit, I don't care. Hein? Ma belle, comment tu vas, ma rivale? Je vais super bien. Vous aussi de votre côté, merci. Sinon, moi, je vais bien. Je suis tranquille chez moi. C'est qui, Stéphanie? Quoi? Quoi si? Oui, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu quelqu'un, j'ai perdu une maman. Vous avez vu le poste, vous avez vu ça. J'ai perdu quelqu'un. Merci. Voilà. Merci, merci pour tout, merci. Bon. Ah, ok, tu as vu une vidéo comment, de Dot? Ah oui, ok. Ben, le sujet, l'affaire de la dot, c'est pas juste un pays, c'est l'Afrique, hein? C'est toute l'Afrique, là. Voilà. Sinon, je vais bien, je vous dis merci pour tous vos messages d'encouragement, de réconfort. Comme je dis, on va à l'essentiel. Comme a dit Manuel Chanelty, comment on dit ça, quand tu frappes un enfant, tu peux pas l'empêcher de pleurer. Donc, l'impacteuse est chez elle dans sa résidence privée. L'impacteuse, ça chauffe pas. C'est pas du niamsélé. L'impacteuse, c'est pas les mensonges sur les réseaux sociaux. L'impacteuse, c'est du vrai. Résidence privée au Canada. Chantier à Abidjan. Future résidence en Floride. C'est ça l'impacteuse. Des vraies choses. Dans 5 ans, je paye ma résidence au Canada. Aux États-Unis. Voilà. Voici ma vie. Tout est accompli. C'est ça l'impacteuse. L'impacteuse, c'est pas les niamselles, elle est à peu près. Non, j'ai dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. C'est pas ça l'impacteuse. L'impacteuse, c'est du vrai. Donc, bon, tout ce qui se raconte ailleurs, j'ai dit ma part, j'ai fini. Là, je suis dans un bon sujet du soir. Comment allez-vous, mes personnes? J'espère que vous allez bien. Le problème de la dot en Afrique, c'est pas un seul pays. C'est pas. Ça dit que. Parce que quand j'ai mis le poste, j'ai vu le commentaire d'une. Arrête de rabaisser les cultures. Voyez-vous? Voyez-vous comment, quand on met des sujets, au lieu d'avoir une certaine distanciation morale, oui, la distanciation morale, ça veut dire, on a mis le sujet. Faut pas prendre tes problèmes personnels, ou bien ce que tu vis, ou bien ce que tu penses être normal là. Faut pas prendre ça pour venir faire des commentaires. Mais Dieu merci, j'ai vu comment mes abonnés. De la dot, c'est une de nos valeurs en Afrique. Ok, attends. Où est le commentaire là que j'ai vu tantôt? Oui. Ce que je voudrais que vous sachiez dès le départ, oui, avant que je commence mon direct. Oui, partagez le direct pour que les gens sachent. Parce que quand on met des posts là, il y a des gens là, eux, c'est-à-dire dès que tu mets le post, je ne sais pas si eux ont dans leur culture, bien dans leur famille, on dote les gens à 10 millions de dollars et puis c'est normal. Donc, dès que tu mets le poste, ils se retrouvent dedans. Ma chérie, les images que j'ai mises sur ma page là, je n'étais pas présente à une dot dans ton pays là-bas.
Parce que j'ai vu que tu as parlé de, au Bénin. Est-ce que j'étais présente là-bas? C'est sur Google que je suis allée prendre. Donc, va t'en prendre à Google qui allait mettre ça là-bas. Et puis, moi, j'ai pris là-bas pour venir déposer. Le problème de la dot là, ce n'est pas un seul pays. Que ce soit la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, partout, le problème devient récurrent. Ça devient une anarchie des temps modernes. C'est ce que vous ne voulez pas entendre? Je vais dire ça ici. Partagez. Pourquoi vous venez déjà me poser des commentaires comme ça? Même moi-même, dans ma tradition, il y a des abus sur les dots. Il y a des dérives, il y a des dérapages. Donc, on est là pour parler de ça. Donc, de quoi est-ce qu'on vient me parler? On vient me parler de quoi? Vous aimez trop ça. Vous comprenez? Le problème avec la dot, avant de commencer, je veux que ce soit clair. Moi, je n'ai rien contre la dot. Je suis pour la dot. La dot, à l'origine, qui était considérée comme un geste symbolique entre deux familles, c'est-à-dire pour remercier la famille dont on est en train de marier la fille. Je suis pour ce concept-là. Je suis pour cette culture-là. Je suis pour le fait que, oui, les deux familles s'unissent, comme a dit un frère, même si on vit en Occident, on doit toujours conserver la dot. Souvent, ma fille me demande, tu penses que le jour que je vais me marier, je vais être mon conjoint, il va donner la dot? J'ai dit, oui, il va donner la dot. Donc, c'est aussi clair que ça. On ne vient pas ici pour faire vidéo pour aller contre la dot. Ce n'est pas ça le précis. Mais la dot est devenue un fonds de commerce. La dot est devenue maintenant où des familles veulent s'enrichir toujours pour appauvrir l'Afrique. C'est devenu un commerce, la dot. C'est ce qu'on vient critiquer ici, les dérapages. C'est ça. Moi-même, on m'a doté. On va doter mes enfants. Donc, pourquoi moi, je vais être contre la dot? Je ne peux pas être contre la dot. Vous comprenez? Mais qu'est-ce qu'on a constaté de plus en plus? À l'époque, quand on regardait les affaires de dot, là, les documentaires par le passé, ou bien ce que l'histoire nous avait dit, là, oui, c'est vrai, c'est les Kauris. Si vous allez me dire que c'était du temps ancien, oui, c'est des Kauris. C'est-à-dire qu'on venait avec des vivres, ou bien on venait avec du troupeau, ou bien ça dit quelque chose de symbolique pour pouvoir sceller les deux familles. Voici à l'origine. Mais qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui? On observe quoi? Et vous êtes surpris quand ces hommes-là marient vos filles et vos filles-là sont emprisonnées. Mais moi-même, là, si je suis l'homme-là, j'ai donné tout ce que je possédais à ta famille. On va demander des troupeaux de chèvres ou bien des troupeaux de porcs, des quoi, des bidons d'huile. On va demander des vivres. En plus de ça, on va mettre l'argent dessus. Mais si je suis un homme là-haut, vous allez exiger tout ça de moi. À quoi est-ce que vous attendez? Vous attendez à quoi? Et vous êtes étonné que des filles sont méprisées dans des foyers. Hein? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui là, la dot, c'est plus par le passé, comme c'était un geste symbolique. Donc, ce que je suis en train de dire là, on n'est pas là pour stigmatiser un groupe ethnique ou bien un peuple. On n'est pas là pour ça. On est là parce que dans toutes les cultures, que ce soit même chez moi dans mon pays, le problème de la dot devient récurrent. Donc, ceux qui n'ont pas l'argent, qui se débrouillent, des jeunes couples, qui ont fini des études ou bien qui ont eu du travail, ils ont commencé à travailler, ils veulent venir respecter votre fille devant vous là. C'est toute cette liste là. Et il y a des cultures où on fait liste. Le pain potent, le tantantant potent, les parfums, les quoi. Ben ça fait honte à l'Afrique. Je suis là pour dire ça, Hora. C'est une honte pour l'Afrique. Ça dit que tous ces dérapages qui sont au niveau de votre affaire de dot là. Vous vendez vos filles? Partagez les uns vont recevoir. Partagez, parce que ça, c'est toute l'Afrique. C'est quoi? On est en train de vendre les enfants, on vend des filles. Et vous êtes surpris quand demain, dès qu'on parle de dot là, ces jeunes qui sont intéressés par vos filles, ces jeunes-là vont commencer à être réticents pour venir s'engager. Si moi, je dois venir demander ta mère à ta famille, et puis déjà là, ça dit qu'avant même de rentrer dans le foyer, déjà, on commence par l'appauvrissement. Vous ne voyez pas ça comme quelque chose où on va aller appauvrir? On met 2 millions dans dot. Même si c'est le mariage, là, je peux dire oui un peu. La dot seulement.
On met 2 millions, près de 3 millions. Par exemple, tous ces vivres qu'on demande là, c'est tout, tout ce qu'on demande là, les bidons d'huile, les savons, de quoi. Ça dit que chaque membre de la famille, des gens même que tu connais même pas dans la famille, chacun va venir pour exiger sa part de gâteau. Vous ne trouvez pas que ça fait honte? On est rendu où ça fait honte maintenant? L'affaire de comment on appelle ça, de la dot en Afrique. C'est exagéré. C'est exagéré. Je vais préciser tant de fois dans cette vidéo-là. Je ne suis pas contre le concept de la dot. Je suis pour la dot. Je suis pour la dot parce que c'est comme on honore. J'ai une amie ici avec laquelle je suis qui a voulu toujours comprendre. Mais Monique, pourquoi toi qui es si moderne, qui es si comme... Pourquoi tu dis que tu es pour la dot? Je lui explique. Mais regarde comment vous vous mariez ici aujourd'hui. Vous vous croisez au métro Berry comme le lundi, le vendredi, on divorce parce qu'il n'y a aucun engagement. Le gars, mais il va penser à quoi et puis il va répondre. Mais quand il y a la famille, il y a les membres de ta famille, au moins devant lesquels il est venu t'honorer. Juste à l'époque, il y a comme 5 ans, j'ai fait ce débat avec elle. Oui, pour venir t'honorer symboliquement. Mais non, aujourd'hui, là, est-ce qu'on va parler de symbolique? L'acte n'est plus symbolique. Quelque chose qu'on avait dit que c'est pour on fait ça pour une cérémonie où qui se fait pour venir réunir deux familles. Ça dit que deux familles différentes. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. On exige des cadeaux, des bazins, des vaches, des porcs, j'ai dit toutes sortes de choses. On exige. Ça répond à quel besoin? Vous allez me dire que c'est parce qu'ils sont riches. C'est parce que c'est celui qui a l'argent qui dote sa femme. Ça dit tous ces présents qu'on demande là. La personne ne possède pas ça nécessairement. Souvent, des gens vont au-dessus de leurs moyens pour faire plaisir à la belle famille qui est là. Donc, ça fait honte. C'est ça, ce qu'ils sont en train de dire. C'est des parents profiteurs, parce c'est une façon de profiter. Vous comprenez? Le fait que tu as fait une liste, on fait une liste des gens qui ont quitté au village, des gens même que tu ne connais même pas, qui n'ont pas contribué dans ta vie. Oui, c'est vrai, c'est des gens qui font partie de ta famille, mais ils n'ont même pas contribué dans ta vie. Et on va faire une longue liste comme ça. Et la jeunesse même là, vous ces jeunes couples là, qui devaient essayer d'attirer l'attention de vos familles pour dire, mais non, à un moment donné là, il faut que oui, on est pour la dot, mais les dérapages qui viennent avec toute cette dérive là, vous ne pouvez pas rentrer dedans. Mais on voit des gens... Dans des jeunesses, ça dit que des jeunes qui s'enorgueillent, vous êtes contents parce que oui, toi tu as donné des millions pour doter la femme. Mais tu as donné les millions pour doter la femme là. Vous, qu'est-ce que vous faites pour préparer souvent l'avenir? Ça dit, vous partez même dans ce mariage là avec l'appauvrissement déjà. C'est vraiment honteux. Vous comprenez? Ça fait honte. C'est ça. Déjà même c'est perçu de l'extérieur, les gens même comprennent même pas pourquoi on s'attache tant à cette culture là, que l'extérieur même trouve de, je vais dire en griffe de barbare, d'archaïque. Ils trouvent ça quoi. Mais on est obligé de leur expliquer, mais c'est notre tradition, c'est notre identité. Donc nous on garde ce qui nous est propre, la dot. Mais où on est rendu aujourd'hui là? C'est affaire d'identité. Partager. C'est un samedi soir. On cause. Moi, on est rendu là, c'est l'identité qui est là, c'est nos us et coutumes, c'est ça comme ça. À l'époque, c'était comme ça que c'était. On fait les dots, on fait dans mon chez moi à Abidjan, on fait dots, on fait deux bâches, on fait trois bâches. Je connais une amie qui a fait sa dot là, il y a comme 5 ans ou 6 ans de cela qu'elle m'en avait parlé. Moi, je pense que c'est quelque chose, on fait 4 murs, elle me dit non, Monique, on fait l'uniforme des pailles, on se change une fois. Deux fois, trois fois, quatre fois. Mais quand elle m'a envoyé les photos, oui, c'est mon ami d'enfance, tout et tout. J'ai dit, ok, ben, elle fait sa dot, je lui envoie un petit quelque chose là. Mais quand elle m'a envoyé les photos, ben, dis donc, je suis tombée des nues. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça? Elle dit, ma chère, dot que tu connaissais quand tu étais ici là, c'est plus comme ça. Maintenant, on fait plus les dots comme ça. Oui, peut-être la cérémonie, on fait ça dans la maison, mais dot là, on fait deux bâches, on fait trois bâches. J'ai dit, hey, on est rendu là comme ça? On est rendu, pourquoi on persiste dans, ça dit que dans ces cultures-là, pourquoi, qu'est-ce que ça nous apporte? Qu'est-ce que ça apporte à la société africaine?
Ça dit, faire les dots avec, ça dit que toutes ces dépenses de façon exagérée. Vous comprenez, qu'est-ce que ça apporte au continent africain? Parfois, les gens n'ont même pas les moyens. Et ils embarquent dedans juste pour faire plaisir à la belle famille qui est en face. Des gens vont s'endetter pour faire des dots. Vous trouvez ça normal? On met 2 millions, 3 millions déjà dans la dot. 2 millions, 3 millions là même, là, déjà là. Ça dit que, ça dit tellement on exige tant. Moi, c'est le fait que ça devient une obligation. Alors qu'à l'origine, c'était dit que c'est des cadeaux qu'on fait, ça dit que pour sceller une union. Mais quand ces cadeaux-là, on fait une liste de cadeaux, on fait une liste de cadeaux comme ça, allez réveiller tous les parents qui sont au village que tu n'as jamais connu, tu n'as jamais entendu parler de pantoute. Tous ceux-là aussi, là, tu vas créer, ça dit qu'on va venir t'exiger ça. Le m'as-tu vu? Et vous, cette jeunesse-là, vous embarquez dedans. Ces jeunes couples-là qui commençaient, la vie est tellement dure déjà. Pourquoi vous embarquez? Pourquoi vous suivez? Pourquoi vous suivez? Parce que tu aimes la femme, donc tout ce, ça dit que toute sa famille t'exige tout ça. Mais non. Mais non. À un moment donné, là, faites en sorte que les cultures qui ne nous font pas avancer, là, faites en sorte que ça recule. Faites en sorte. Quand à un certain moment, vous allez essayer de discuter, négocier avec certains parents. Ben, ça va prendre, ça va. Ça dit que même si ça ne peut pas disparaître, cette méthode, c'est la méthode que je suis en train de critiquer. Sinon, je ne critique pas le fond, qui est la dot même en tant que tel. Je critique ça. Pourquoi on est comme ça? Hein? Pourquoi c'est comme ça? Mais quand vous exigez autant de montants, ça dit que vous reconfortez encore ces hommes machos là dans leur masculinité, c'est ça. Ils se sentent encore plus masculins sur ces femmes-là. Mais parce que cette femme-là est perçue comme quelque chose que lui, il est allé s'accaparer. Ça dit qu'il est allé acheter ça. Mais si j'ai acheté là, tu dis, j'ai acheté, donc tu es ma propriété privée. Je t'ai acheté. Si tes parents doivent me mettre des millions, je dois aller, ça dit que envoyer des troupeaux, tout et tout, ça veut dire que j'étais acheté. Et vous êtes surpris demain. Quand ces filles-là souffrent dans les foyers, tout ça, c'est la misère morale. Oui, parce que quand ces filles-là souffrent dans ces foyers-là, où on les maltraite, où on fait d'elles tout ce qu'on veut, mais comment elle va partir quand elle imagine, ça veut dire que la dot que ses parents ont exigée de ce monsieur-là, elle ne peut pas partir. Hein, ils sont les premiers à manger cette dot-là là-bas. Ils sont les premiers à se lécher les doigts le jour de ta dot. Mais le jour que tu as des problèmes dans ton foyer là, le jour que dans votre problème, dans votre couple là-bas là, vous avez des problèmes soit financiers, de maladie ou bien de quoi ça ne va pas là, il n'y a pas quelqu'un qui quitte là pour venir vous soutenir. Le jour que toi, la femme, tu as des problèmes dans ton foyer, tu ne peux même pas faire marche arrière pour dire oui, j'ai cette famille là, oui, à laquelle là, mon mari avait donné la dot là. Je vais aller, ça dit que faire tout en arrière pour essayer de voir comment cette famille-là peut m'épauler. Il y a des familles où des parents ont mangé la dot là, bien mangé la dot là. Mais quand la fille a des problèmes là-bas, on dit débrouille-toi avec tes problèmes. Donc ça veut dire quoi? C'est le côté vénal, c'est le côté cupide seulement qu'on est en train de regarder. On est rendu à ça dit que à rendre nos filles la fille africaine même là. Oui, c'est vrai, on nous avait perçu comme des filles auxquelles on avait inculqué de belles valeurs, une bonne éducation de base. Donc vous pensez que quand vous exigez autant de montants comme ça là, hein, où on appauvrit déjà le couple même avant de rentrer dans un foyer. Vous pensez que c'est ça qui va faire évoluer un couple? Et on dit non, c'est en tout cas c'est un garçon. C'est ça, on dit garçon. Voyez-vous comment des mentalités sont rétrogrades? Voyez-vous? Voyez-vous? J'ai dit que parfois, il y a d'autres cultures. Je parlais hier avec une de mes amies au sujet de la dot. Elle dit, ah, c'est dans certains peuples ou bien de la Côte d'Ivoire ou bien de partout que non. Moi, quand on m'a doté, on m'avait doté à l'époque à 75 000 francs CFA et puis un bazin. Son mari l'a doté là, ça fait 15 ans, elle vit avec son mari. Est-ce que c'est parce qu'on t'a doté à elle autant d'argent que tu vas être une femme nécessairement heureuse dans le foyer?
Ils ont mangé là, ils ont. Ça dit que le monsieur, là, on a pompé ses sous. On a vidé les poches de ce monsieur-là avant que toi tu rentres dans le foyer avec lui. C'est ça qui va te rendre nécessairement heureuse. Pourquoi vous réfléchissez pas? Pourquoi on ne revoit pas? Ça dit que dans l'affaire de la dot, c'est la manière de faire que je suis en train de critiquer. Sinon, je ne critique pas le concept même de la dot. Vous comprenez? Merci pour la personne qui m'a envoyé les 50 étoiles. C'est la réalité qui est là. La femme, la jeune fille aujourd'hui, la femme qu'on s'est mariée est perçue comme, ça dit qu'elle est comme une source d'investissement. On est là et puis on cherche le mieux offrant. J'ai demandé à quelqu'un, mais la façon dont j'ai vu les images d'une dot chez vous là, mais et ceux qui n'ont pas les moyens, qu'est-ce qu'ils font? Il m'a dit, Monique, c'est une jungle. Tu vois comme ça là? Ça dit que ils vont se débattre, ils vont se débattre. La personne qui a eu le mieux offrant, si c'est la femme, la fille qui a eu, si elle a quelqu'un qui n'a pas encore là, elle a tendance à repousser elle-même la dot. Non, faut attendre, faut attendre. Mais dans ça là, si elle a eu un autre là, elle s'engage avec lui aussi. S'il a eu une autre qui est bien sans. Donc ça veut dire que la base même qui était l'amour là, où on a mis ça? Où on a mis toutes ces valeurs là? Nous on croit encore à l'amour. Nous, moi l'impacteuse là, je crois encore à l'amour. Entre deux personnes qui partent d'un début. Je crois en ça. Sinon, tous les couples qui ont l'argent allaient des couples qui vont rester ensemble, des couples qui allaient toujours tous heureux. La base, là, c'est l'amour d'abord. Non, on ne regarde pas cet aspect-là. On regarde le côté où on va venir s'enrichir, où on va venir, ça dit que avoir ce comportement honteux. Les familles africaines, de plus en plus, vous faites honte de l'extérieur avec la façon dont vous avez géré l'affaire de la dot. Avec la façon dont maintenant on prend, ça dit que l'affaire de la dot là, pour aller s'enrichir, pour aller, ça dit que pour avoir de l'argent dedans. Quand est-ce que ces vieilles pratiques là vont reculer? Il faut que ça recule. Il est temps que ça recule. Vous comprenez? Nous, on veut briser même ce sentiment où on dit tu appartiens à un homme. Nous, on veut briser ça déjà dans l'esprit des gens. Oui, on se marie, mais j'ai mon identité. Mais si on t'a payé, on a payé, quand on a exigé tout ce montant-là, ça veut dire qu'on t'a payé. On t'a payé. Comment cette autorité, sans limite, cette autorité, ça dit que sans une certaine mesure, sans des garde-fous, comment ces hommes qui ont déjà cette autorité sur des femmes, qui ne peuvent même pas placer un mot. Moi, j'ai une amie qui était partie à Abidjan pour faire la dot avec son mari. Quand ils sont arrivés, à l'époque, il n'y avait même pas le Covid. Ils sont arrivés, puis je suis partie là-bas pour rendre visite. Dans la blague, là, le monsieur, il faisait une blague que je n'ai pas appréciée pas en tout. Je lui ai dit, ah, maintenant, là, j'étais dotée, maintenant, là, ça dit que tu es ma chose maintenant. Ouais, c'était une blague, mais je n'ai pas trouvé ça drôle. Je n'ai pas trouvé drôle. Mais à combien il avait doté cette femme-là? Dieu seul sait. Pourquoi ça? C'est pour dire quoi? C'est pour dire quoi? Jean, ton mari t'aime? Ou bien, c'est ta. Parce que c'est la famille qui reçoit. Donc, je ne sais pas pourquoi on conçoit ça comme son mari l'aime. Non, ça dit, moi, je ne conçois pas ça comme ça. Donc, parce qu'il a donné autant, ça dit que c'est le fait que des gens vont au-dessus de leurs moyens. Les gens vont au-dessus de leurs moyens pour juste faire plaisir à cette famille-là qui est en face. Il faut que ça soit revu. Revoyez à la baisse. Revoyez la manière dont c'est devenu là. Parce que c'est le dernier moyen de s'enrichir. C'est le dernier moyen même d'aller extorquer de l'argent. C'est ce qui est dit ici. Je ne suis pas contre la dot. Partagez la vidéo. Je ne suis pas contre la dot. Je ne vais jamais être contre la dot. Je veux que le jour que mes enfants, là, mes filles se marient, là, je veux que on les dote. Quel que soit avec qui elles se marient, il faut que. Mais il faut que ce soit quelque chose de raisonnable. Il faut que l'autre qui est en face voit ça comme quelque chose de symbolique. Qu'il sache que oui, ce qu'il est en train de. Cette femme qu'il est en train de prendre là, elle a. Ça dit qu'elle sort de quelque part. Il y a quelque part où des gens l'aiment. Voilà, moi je veux que cet homme-là perçoive ça comme ça. Tu l'as pas prise dans le vent, dans les airs, pour en faire ta femme. Elle vient de quelque part.
Mais quand on fait une liste exhaustive comme ça, c'est quoi? C'est quoi la liste? Pourquoi on fait ça? Vous comprenez? On doit revoir ça. Ça fait déjà honte même. Ça fait déjà honte. On doit expliquer. On doit déjà expliquer pour qu'ils comprennent. On doit expliquer pour qu'ils comprennent. Mais c'est pas grave. C'est notre culture. Je suis d'accord avec ça. Mais c'est le fait que tu as dit à quelqu'un de payer tel montant. Alors que la personne n'a même pas encore une assise. On fait le dot, on fait maintenant, à Abidjan, on fait les cérémonies de dot, on fait dragée, on fait gâteau, on fait tout. J'ai dit, mais c'est comme ça, c'était comme ça avant? Ou a fait des dragées, a fait des gâteaux, a fait des temps en temps. Du coup, on fait dot sur 2 jours, samedi et dimanche. Aïe! Et vous êtes en train de faire ça là, soit vous n'avez même pas encore d'enfant. Ou bien vous avez peut-être un enfant. Mais tout cet argent, même on met déjà pour faire des dots d'un million là. On peut déjà ouvrir petite épargne pour les enfants déjà. On investit, il a déjà fait des enfants et la femme, 3 enfants. Il a fait les enfants et la femme, maintenant il s'en va pour la doter. Et cette femme-là, malgré bien qu'on ait des enfants, rien n'est structuré pour les enfants. On s'en fait des dots d'un million, de 2 millions. Alors que les enfants n'auraient pas un petit compte d'épargne. Moi, au lieu de faire une dot là, au lieu de faire dot où vous allez donner des millions là-bas, ça veut dire que créer des petites épargnes pour vos enfants. Un petit compte où il y a pour, ça veut dire que tu planifies quelque chose pour tes enfants. Mais vous ne pensez jamais à ça. Vous qui faites les dots d'un million, de 2 millions là-bas, on va aller voir vos enfants n'auraient pas un petit piggy de compte. Ça, c'est pour ceux-mêmes qui sont déjà en ville. Et puis maintenant, on va aller voir pour ceux qui sont au village. Donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque là. Cette dot-là va mettre la femme dans. Ça veut dire que ça va la mettre dans cette position d'incapacité même de s'affirmer elle-même. Parce qu'à l'origine, on a déjà, elle a déjà crédit derrière elle là-bas. Vous comprenez? Ça vient rentrer dans le foyer avec crédit déjà. Crédit du monsieur. Puisqu'il est venu, on a demandé. On a demandé. Pourquoi en Afrique, on a. Ça dit qu'on est réfléchi pour dire, mais le temps évolue. Cette façon d'aller presser l'autre là, aller tordre, ça dit que presser l'autre, pousser l'autre dans ses derniers retranchements. Pourquoi ça ne cesse pas? Parce que quand on vient exiger autant de vivre, autant de. Ça dit de l'argent de cette façon. À l'autre, peut-être qu'il n'a pas nécessairement ça. Non, on exige ça parce qu'on s'est dit que. On s'est dit que. Ouais, je vais répondre. J'ai la tablette. Vous savez, j'étais un peu mélangée avec le décès de ma mère. Je vais répondre à tous les messages cette nuit. Merci beaucoup, Angela Koufo. Partagez le direct, s'il vous plaît. C'est un direct du samedi soir. Partagez-le, je vous en prie. Ne fais pas la vidéo par rapport à une certaine culture. Je parle du continent africain. De chez nous, l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à l'autre côté de l'Afrique, tant, tant. Peut-être que ceux que je vois un peu, c'est ceux qui sont peut-être du Nord. J'ai essayé d'aller lire un peu. Ils sont encore un peu, ça dit un peu souple encore. Mais ceux qui viennent de chez nous, là, c'est exagéré. C'est devenu, ça dit que c'est abusif à un moment donné. C'est clair. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai bien envie de te bloquer juste pour ça. Abba Richmond, mais qu'est-ce que tu croyais? Tu étais sur ma page, donc c'est mon opinion. Tu comprends? Je ne sais pas d'où tu sors, je ne sais pas de quel trou de rat tu sors là, mais c'est mon opinion. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas si tu as laissé ton cerveau à la maison pour venir sur le direct là, mais je suis en train de te dire que je ne suis pas contre la dot, mais c'est les dérapages, la dérive qui vient avec ça. C'est ce que je suis en train de critiquer. Se discute avant. Attends, je vais me passer de toi. Viens me passer, c'est mieux. Dot est plus grand qu'un mariage aujourd'hui. Dot est
j'étais plus grand. Il dit quand il a déjà vu ma dot, on m'envoyait les photos de la dot là. J'étais comme ça. J'étais comme ça, la bouche ouverte. J'ai dit quoi? Dot a dragé. Un gâteau. On a fait deux gâteaux. J'ai demandé, mais est le mariage? Elle a dit non, le mariage, souvent on fait ça comme ça maintenant. Et puis le mariage, on fait à quatre ou bien on fait une petite cérémonie. J'ai dit ok, c'est fine. Mais quoi qu'on dise là, on est en train de dérouter le concept à l'origine. C'est clair. Comment tu vas, ma nièce? On est en train de. Ça dit qu'on est en train de quitter le chemin qui était à l'origine là, un petit quelque chose qu'on fait entre des membres d'une famille. Mais là, c'est plus ça là. Je dis que pensez à l'avenir de vos enfants africains. Avant même de rentrer dans le couple, pensez à l'avenir des enfants. Planifiez l'avenir des enfants. Vous comprenez? Planifiez l'avenir des enfants. Vous êtes un jeune couple, vous avez commencé à travailler. Vos parents commencent à exiger les wow, wow, wow. Vous dites à vos parents, vous discutez, surtout la fille. Parce que le problème vient du côté de la fille. Ce sont les parents de la fille qui viennent exiger tout ce montant-là. J'ai dit comme lui qui vient me répondre quoi richement là, la dot est devenue une liste obligatoire qu'on met aujourd'hui. On cite jusqu'à, on discute, tu parles de discuter de quoi? Dans tout ce qu'on a vu récemment là, tout ce qu'on lit sur les réseaux sociaux là, c'est ce qu'on a discuté qui est là. Et si on n'avait pas discuté, hey, arrête de venir niaiser sur mon direct ici ce soir. Ça c'est du niaisage. C'est quoi on voit là? Les images que j'ai mis sur ma page et puis quelqu'un s'est plaint pour dire c'est la tradition, faut pas critiquer. Comme si le jour qu'on faisait cette cérémonie, l'impacteuse était présente. Ma chérie, j'étais pas présente là-bas. C'est sur Google je suis allée prendre. Comprenez? Donc ça c'est ce qu'on a discuté là. Les images que j'ai mis, les femmes ont les tantines sur la tête, tout ça, ça c'est ce qu'on a discuté. Et si on n'avait pas discuté? Et si on n'avait pas discuté? Pourquoi quand on veut dire quelque chose, ça dit, vous voyez toujours le côté néfaste? Pourquoi? Pourquoi vous voyez toujours le mauvais côté des choses? Faut pas venir critiquer la dot alors qu'on sait les dérives qui sont dedans aujourd'hui. Moi je suis venu critiquer. Je suis venu critiquer. Vous comprenez? On discute. Vous comprenez? Il faut que ça cesse. Merci beaucoup. Merci de me mettre des trucs de choses devant. Toi, tu penses que tu arrives. Le français, même déjà pour l'exprimer, c'est déjà un problème. Donc, comment tu veux que je te réponde? Comment tu veux que je te réponde alors que j'arrive même pas à lire ce que tu écris? Voilà, c'est ça. La dot, la façon dont vous êtes en train de faire là, vous êtes en train de déshumaniser la fille. Les jeunes qui ont. Ça dit que la jeune femme, même quand on s'en va marier là, on est en train de la déshumaniser. Ça dit, on ne voit pas ça et on s'en orgueille. Ça dit, on est fier de ça. Il y a dit que les problèmes qui sont en Afrique sont pleins comme ça. Plein de problèmes. Ça dit que les problèmes sont à tous les niveaux. C'est ça. Il y a des ethnies, même si on dit qu'on va discuter là, mais ça dépend de ce qu'ils ont donné. J'ai dit ici au Canada, je suis allé assister à la dot de la fille d'une amie. Il y avait une liste spécialement pour le père. Je ne vais pas donner l'origine ici des choses. Une liste pour le père. Il demande ma chose. J'ai dit, mais aïe, papa a sa liste. Donc toi, maman, tu es allé. Et j'ai dit que j'avais la bouche ouverte comme ça. Ici au Canada, je suis allé à une dot. Donc, ce qu'on est en train de dire, c'est la réalité. Moi, je suis là pour dire, avant de rentrer dans les foyers, préparer l'avenir des enfants. Parce que souvent, vous partez doté, vous avez deux enfants, trois enfants. Il n'y a rien qui est structuré pour les enfants. On ne structure rien pour les enfants. On fait donc de 3 millions, 2 millions. Les enfants n'ont rien. Il n'y a rien qui est planifié pour les enfants. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes combien là-bas qui avait des comptes d'épargne pour vos enfants bien planifiés pour dire, bon, on va essayer d'épargner tel montant, pour que quand l'enfant arrive à tel niveau, on peut l'accompagner là. Vous êtes combien? Donc, on active votre attention. Ben, on allait chercher l'essentiel dans ce qu'on est en train de dire. Je vous ai dit que si c'est ma personne, vous ne supportez pas. Ben, je suis désolée.
ma vie là, vous ne pouvez pas l'atteindre. Donc, parce que maintenant, là, on connaît le système, on se cale derrière les faux profits pour venir commenter n'importe comment, pour venir gâter les directs. Je suis désolée. C'est triste, c'est abusé, c'est le côté abusif là, c'est ce qu'on est en train de critiquer. Et Bertie Dedeyou, c'est le côté abusif. Qu'est-ce qu'on critique? Tu as venu me dire quoi? Moi-même, on m'a doté. Il n'y a pas là, on m'a doté. On m'a doté bien, propre. Il n'y a pas eu dérapage. Donc, quand on devait me doter dans ma culture, quand on doit nous doter, tu demandes, on demande, ta famille demande. Ça dit chez nous, on dit comment ton mari t'aime là. Ce que vous pouvez donner, vous donnez. C'est comme ça qu'on m'a doté. Donc, de quoi on vient me parler? Être africain, même, est déjà une problématique. Sylvain Mass, merci beaucoup. C'est déjà une problématique. Non, mais c'est vrai. Attends, je vais le laisser. Il ne faut pas venir. Je vois où il est en train de m'amener. Tu es déjà marié. C'est déjà une problématique. À tous les niveaux, ça coince. Vous comprenez? Ça coince. Ça dit notre vie. Ça dit que ce soit en Afrique, que ce soit partout, ça coince déjà pour nous. Étoile filante, salut à toi. Emerson Ntake, comment vas-tu? Vous comprenez? C'est déjà une problématique sérieuse. Partagez le direct si vous l'aimez. Merci beaucoup. Voilà, on a vu sur les réseaux sociaux une dame, je ne veux même pas dire son nom, parce que quand j'ai vu sa vidéo, ça m'a fait pitié. Qui est venue pleurer. Le mari était un artiste, il est décédé. On va respecter sa mémoire, on ne va même pas dire son nom. Décédé, elle est venue. Savez-vous comment ça fait honte de venir demander publiquement? C'est honteux de venir demander, surtout à la face de la nation comme ça, pour dire aujourd'hui, les enfants ne sont pas scolarisés, tout et tout. Elle vient demander de l'aide. Mais c'est comment nous, les Africains, on prend notre vie qui donne ce résultat-là. Dieu a dit de venir au secours à la veuve et l'orphelin, ça c'est clair. Mais voyez-vous, on va aller fouiller. Oui, aujourd'hui, elle est veuve, il y a des orphelins sous sa main. Mais pour qu'on soit arrivé aujourd'hui, et pour qu'elle soit arrivée à venir poser ce geste-là, il y a un adulte qui a manqué quelque part. On connaît l'histoire de ce monsieur, hein, cet artiste qui est décédé. On a manqué quelque part. Oui, c'est vrai. C'est bien beau qu'elle est venue pleurer, tout et tout. On s'est allé nous chercher. Mais on a manqué quelque part. Pour que des enfants sortent aujourd'hui de l'école pour qu'elles viennent pleurer. Vous comprenez? On doit revoir ça. Revoyons la façon de faire la dot. On ne peut pas revenir à notre ancienne pratique, à nos anciennes méthodes, à nos anciennes pratiques pour dire qu'on va aller doter à un cori, à les grains de trigo, les grains de cola, tout et tout. Oui, c'est vrai, on ne peut pas revenir à ces anciennes pratiques-là. Mais il y a de la démesure dedans. C'est pour ça que j'en parle. C'est démesuré la façon dont c'est fait. Parfois même, on s'en va prendre des cultures qui ne sont pas, qui ne nous appartiennent pas. Moi j'ai regardé, on m'a envoyé une vidéo d'une amie là qui a fait sa dot là. Hey, le décor là, c'est comme si tu te croirais au Nigeria. J'ai dit, ben attends, est-ce que c'est moi qui suis pas... c'est vrai, hein, parfois quand je parle là, je sens que je suis pas à jour. J'ai dit, mais est-ce que c'est moi qui suis pas à jour? Ben on dit, Monique, tu n'es pas à jour. J'ai dit, oui, c'est vrai, je suis pas à jour. Pour dot là, c'est ça, on a décoré. La lumière, on a mis tapis, tout et tout. J'ai dit, aïe. Mais d'où ça vient? Cette façon de faire là, ça vient d'où? On dit non, c'est les films qu'on regarde là, comment les Nigériens font pour eux, c'est ça qui a... Ça dit que ça dépeint un peu sur les Ivoiriens. J'ai dit, ah ouais, comme dit le Québécois, ah ouais. Ok. Ok, d'accord. Vous comprenez? Flo Kungaza, tu veux que je te bloque? Il est 17h53. C'est qui a dit ça? Elle a répondu à quelqu'un quoi. Bon, je sais pas. Mais sinon, il est 17h54 ici.
c'est ça. J'ai dit que cette dot, on a décoré tout et tout. Je connais le couple. Je connais le couple. Vous comprenez? Tu comprends? Le monsieur est professeur, la femme est institutrice. Mais les images qu'on a envoyées, j'ai dit quoi? Vous comprenez? C'est la réalité qui est là. Maintenant, si toi, dans ta famille, on t'a doté à 10 millions, ou bien vous, dans votre famille, vous dotez à coup de millions, bon, ça, c'est votre famille, je ne connais pas votre famille, donc, ce n'est pas l'expérience de ta famille que j'ai pris pour venir faire ma vidéo. J'ai pris une expérience générale. Allez sur YouTube, vous allez voir toutes les vidéos où on parle de dot en Afrique. On essaie toujours de soulever le côté abusif dedans. Donc, ça veut dire qu'il y a matière à réfléchir. Ok, oui, j'ai vu ça. J'ai vu ça. Parfois, je ne suis pas, donc... Vous comprenez? Souvent, ce n'est pas les messieurs. Donc, c'est ça. Aïe! Mais Sylvain, c'est ça? J'ai dit, mais... Je suis déconnectée, ce n'est pas possible. Désolée, dans ma tête, là, la dot reste toujours symbolique. C'est comment elle perçoit. La dot, là, ne doit pas... Ça veut dire que du merchandising, quelque chose où on va aller... Faire du commerce dedans. La dot est devenue un fonds de commerce aujourd'hui. La dot est devenue quelque chose aujourd'hui où on vend, d'ailleurs même on vend maintenant les filles même au plus offrant. On ne va plus regarder le gendre qui vient avec de belles valeurs. On ne va plus regarder ce gendre-là. Même si le gendre vient avec de... On sait que lui, là, il n'est pas bon pour ma fille, hein, mais comme c'est lui qui a l'argent, là, c'est lui qui peut nous remplir la liste, là. C'est lui qu'on va choisir. Ou bien c'est vers lui qu'on va pousser notre fille. Pourquoi c'est comme ça? Et on se méprend, on est surpris que de nos jours, les divorces ne durent pas. C'est-à-dire les mariages vivent facilement au divorce, tout et tout. Mais si la base même est déjà fragilisée, on a mis le côté argent devant. L'argent. C'est ce qu'on a mis devant. Donc, ça ne peut pas marcher. Ça ne marchera pas. Ce n'est pas normal. Si vous êtes des jeunes couples que vous commencez à travailler là, vous savez que vous avez une dot que vous allez faire. C'est les filles, moi, j'insiste sur les femmes. C'est à nous de parler à nos parents pour dire, ben, on vient de commencer, on a des enfants, tout et tout. On va aller doucement. Tes parents peuvent exiger. Toi, tu as discuté avec tes parents. Où on est rendu là? On n'est plus à l'époque ancienne. Ou quand les parents parlaient, ça coule dans le béton. Hein? Les parents ne sont pas nécessairement dans le juste. Les parents ne sont pas nécessairement dans le vrai. Les parents, parfois, là, leur jugement là, ne reflète pas la réalité que vous vivez. C'est-à-dire, ils sont nos parents, mais ils ne sont pas encore ajustés à la réalité du moment. Donc, à un moment donné, là, toi, tu es la fille, c'est toi qu'on va les doter. Donc, si tes parents ont fait cette liste-là, ben, tu dis clairement à tes parents. Je connais une fille en Angleterre. Elle a croisé le monsieur, n'avait pas quoi, les bestes et tout. Elle a croisé le monsieur, bref, ils se sont mariés. Et puis maintenant, non, ils préparaient encore le mariage, ils n'étaient pas encore mariés. Et le monsieur est parti à Abidjan pour faire la dot. Les parents exigeaient 1 million et quelques. Il appelle la fille, il dit quoi? Tes parents veulent. Elle, lui, il a préparé quelque chose, genre 200 000. Elle, les boissons, tant, tant, tant. Il s'en va là, 1 million. Elle a appelé ses parents, elle dit quoi? Déjà, mais je suis sans baisse. J'ai rencontré le monsieur ici, il m'aime. Il veut me marier. Vous exigez ça. Ça ne passera pas. C'est pas passé. Donc, à un moment donné, les filles, dites, ça dit que mettez un rond là. Mettez un niette à vos parents. Mais, on aime le matu vu. Pour que tes amis vont dire que ton mari t'a doté à tel million. Ton mari a réuni tout le troupeau du village. Ton mari a réuni tout, ça dit qu'il est parti faire toute l'épicerie du centre d'achat pour venir déposer, pour donner à ses mangeurs ou demain tu as. Le comble, c'est que quand vous avez des problèmes dans vos foyers, les parents ne viendront pas réagir dans vos foyers. Combien sont ces familles, combien sont ces jeunes femmes dans les foyers aujourd'hui qui ont des problèmes et puis l'oncle va venir t'aider dans ton foyer? Exemple, je touche, je vois ton mari a perdu son emploi.
Ton oncle va venir te donner l'argent dans ton foyer. Ta tante ne va pas venir te donner l'argent dans ton foyer. Peut-être si tes parents un peu, ils peuvent venir te soutenir. C'est quel oncle qui vient t'aider quand tu as problème dans le foyer? Et puis pour ça, on va distribuer l'argent. On va appauvrir ce mari-là avec lequel on est en train de partir déjà. Oui. Oui, oui. Chez les musulmans, oui. Il y a des assistés à pour vous. Pas compliqué. C'est pas compliqué. C'est fini. Mais ça se résume même aussi à la façon de faire les funérailles, tout et tout. Les funérailles grandioses, tout et tout. C'est la même chose. C'est la partie du film qui m'énerve. Il n'y a pas un parent qui a bien t'enlever dans le problème. Si ce n'est pas ton père et ta mère. Hein? Je vous dis ça. Si c'est pas ton père, t'as même plus les familles soudées comme ça là. Familles soudées là. Voilà. C'est comme une année, je ne travaillais pas ici. Comme j'avais dit, je ne travaillais pas. Des problèmes. Tout et tout, ma santé n'était pas bonne. Le monsieur était pris seul avec les factures. C'est là mon frère m'a envoyé l'argent de la France. Est-ce qu'on est combien? Ou quelqu'un, toi, dans ta famille, on t'envoie l'argent? Dans les familles africaines, est-ce qu'on t'envoie? Là, il y a qui est dehors pour venir dedans? Moi, je sais que l'un qui n'est pas dehors. Et mon frère, je ne lui ai pas demandé ce jour-là. Quand il a vu, je ne travaille pas. Il a dit, ah, je vais t'envoyer au moins quelque chose. Tu vas mettre ça sur toi. On est combien? Nous sommes combien de familles comme ça où les frères viennent spontanément pour t'aider? Oui, tes frères peuvent t'aider. Mais l'oncle, les tantes, tous ces gros mangeurs pour lesquels on est en train de ruiner le futur marié là. Moi, je suis contre ça. Je suis contre le fait qu'on exige autant pour le... je suis contre ça, au futur marié. Alors qu'il y a des enfants qui vont être conçus dans un an, dans deux ans. Rien n'est planifié pour eux. Planifions l'avenir des enfants. L'Afrique est un continent qui est caillou. Merci pour la personne qui m'a envoyé les 50 autres étoiles. Ça me fait 100 étoiles. Merci. Afrique est caillou. L'Afrique, on met tout dans la main de Dieu. Donc pourquoi on va dépenser autant d'argent? Je suis contre ça. Je suis pour la dot, mais contre la façon dont ça s'organise. Je suis contre ça. Je le dis aura. Donc ça ne donne rien. C'est une culture archaïque qui veut. La façon dont c'est traité là, ça ne va pas nous emmener loin. Ça ne fait pas évoluer l'Afrique. C'est de l'arnaque bien organisée. Aïe. Moi-même, mon frère s'en a doté une femme au quelque part. Et puis, il voit que le montant qu'on demande là à mon frère là, c'est dérisoire là. Ça dit que c'est un montant exagéré. Au moins, c'est pas quelque chose de dérisoire. C'est pas quelque chose de symbolique là. Mais attends. Je lui dis ça. Nous, on va faire réunion de famille chez nous pour dire aussi, mais il faut leur dire ça là, c'est trop. Il y a des enfants qui vont venir. Il y a l'avenir qu'on doit préparer. Non, on pense pas à ça. On vient, ça mange, woyo, 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 on mange, on s'en chier dans les vaisseaux, on remplit là-bas. Et puis maintenant, demain, vous êtes dans les problèmes, vous êtes dans le foyer, on commence à se gratter la tête dans les foyers là-bas. Les problèmes commencent. Arrêtez ça. Arrêtez les jeunes couples. Arrêtez. Prenez des dots, va être encore problème. Ça dit que la vie de couple même est une vie déjà. Ça dit que avec, c'est comme des montagnes russes. Vous allez affronter chaque jour. Il y aura des difficultés. Oui, il y a des moments ça va. Et puis c'est tout ça qu'on met ensemble pour réaliser quelque chose de solide. Non, on a déjà commencé à dépenser les millions dans les dots. Je suis contre ça. Je suis contre les dépenses. Ça dit que exorbitantes là dans les dots. Cette façon d'abuser, cette dérive-là, je suis contre ça. Sinon, le concept, je l'accepte. Parce que la dot est devenue quelque chose où on s'en s'enrichit. Ça ne nous avance pas. C'était ma part ce soir. Voilà. C'était ma part. Mais la dot fait que des filles sont obligées de rester dans le... Des choses, comment on appelle ça, des messages. J'ai une de mes impactées qui a mis un message sur sa page où j'ai vu, comment on appelle ça, soyons prêts à accueillir nos filles qui sont malheureuses dans les foyers, tout et tout. On est quand même, ça dit que la famille doit être prête à les accueillir. Merci.
Mais on prêt à t'accueillir en Afrique. Il n'y a pas quelqu'un qui est prêt à t'accueillir si ça ne va pas dans ton foyer. Quelques-unes des personnes. C'est-à-dire, il y a des familles où des gens s'aiment. Sinon, qui est prêt? On est prêt à accueillir qui? On veut que tu restes là-bas pour que nous, on vienne pomper dans le foyer là-bas, dans ton foyer là-bas, on vienne pomper là dans la main de ton mari, que toi, tu vas revenir. Mais si on a payé tous ces millions-là, comment il va revenir? Il ne peut pas revenir. Et puis, payer, ça dit que le remboursement même de la dot, encore, c'est problème. Les filles qu'on répudie ou bien qu'on divorce là, on veut encore qu'on rembourse la dot. Bon, on rembourse la dot là. Est-ce que quand on a des enfants, on exige aussi qu'on rembourse la dot? J'ai dit que c'est trop complexe. Alors, ça commence à devenir complexe. Donc, il faut revoir. Acceptez de prendre un peu de votre gendre. Prenez juste un peu symbolique. Là, en cas de cas, si ça ne va pas, si votre fille est maltraitée, elle subit de la violence conjugale, elle subit de l'humiliation, elle peut au moins réfléchir pour dire, ma famille est là. Mais si elle a mangé, ça dit, si vous avez mangé tout l'argent de ce genre-là, comment elle va revenir si ça ne va pas? Moi, c'est pour ça que je suis contre ça. Parce que quand on est en train de prendre tout cet argent-là, de ce genre-là, on est en train d'aliéner notre enfant sans le rendre, sans s'en rendre compte. Ça dit que c'est une façon d'aliéner l'autre qui est là. Mais en Afrique, on ne pense pas à toi. Hein? On veut que tu n'as qu'à... Je connais des témoignages de certaines qui rentrent dans mon lieu. Ça ne va pas dans le foyer, mais il n'y a personne. Ça dit, même elle explique aux parents, on dit, reste là-bas. Ça ne va pas, mais il faut rester dans le foyer. Est-ce qu'il t'a chassé? Non, il ne t'a pas chassé. Donc, tu ne vas pas quitter. Donc, changeons de mentalité, c'est tout. Gardons le concept de la dot. Gardons ça. Mais les affaires de moutons, de porcs, de quoi, on envoie, on remplit. J'étais sidérée. Quand j'ai regardé les documentaires sur YouTube, j'étais sidérée. J'ai dit quoi? Donnez-moi le temps. En tout cas, donnez-moi mon temps. 30 minutes, c'est assez. Sinon, merci. Ok, mon numéro, laisse-moi un numéro sur mon WhatsApp, Lola. Laisse-moi un message sur mon WhatsApp, je vais te répondre. Je peux avoir l'heure, s'il vous plaît, mes abonnés. Partagez le direct, merci beaucoup. Pendant ce temps, la pauvre fille meurt. Ah, elle va mourir à petit feu. Elle va mourir à petit feu dans le foyer, aïe. Hein? On a rien documenté, je ne sais pas où. Où le gendre a vendu, il a vendu la terre. La terre pour aller faire la dot. Ça a du sens, ça? On vend la terre. Vous allez me dire, bon, ça c'est au village, les cultures, tant. La terre qui va vous permettre de manger pour que vous avez des enfants, c'est cette terre-là que vous allez labourer pour pouvoir nourrir. On vend un lopin de terre pour venir doter. Ça, c'est ancien temps. C'est des vieilles pratiques. Au lieu de les diluer avec le temps, au lieu qu'on essaie de les diluer, non, on ne les dilue pas. Merci beaucoup. 16 minutes. Ok. 16 minutes. Ok, 16 minutes 17. C'est ça. Au lieu de les diluer, non, on ne les dilue pas. On continue de rendre ça, ça dit que ça devient corsé de plus en plus. Non, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Oui, c'est avec les complicités des filles. C'est le constat que j'ai fini par faire. Dans les vidéos, je vois, c'est les filles qui sont complices de ça. Comment vous réfléchissez? Vous êtes... Ça dit, parfois là, je ne sais pas si c'est moi. Ouh là là. Tu sais qu'il n'a pas les moyens. S'il a les moyens, c'est correct. Et puis même s'il a les moyens, il faut faire attention. Mais tu sais qu'il n'a pas les moyens et ta famille exige ça. Et puis toi, tu en es fier. On est fier de ça. Parce qu'on m'a doté. On m'a doté à 2 millions. Il a donné tout ce que mes parents ont demandé. Il faut se revoir. C'est ça. Bon, c'est des vieilles pratiques. C'est des vieilles pratiques. Elles sont anciennes. Vous comprenez? Merci beaucoup. Merci, j'ai vu le temps. Non, on se laisse aller.
On est rendu dans un monde de m'as-tu vu. On est rendu dans un monde où on fait maintenant pour faire plaisir, où on se donne, ça dit que on se donne une autre, ça dit que une autre impression, on donne un autre genre. Non. C'est ça. Ça doit arrêter, ça doit être revu à la baisse. Hein? Il faut que ce soit revu à la baisse. Ben, je vois 54 minutes, je vois 16 minutes. Je vois aussi 18 minutes. Bon, je sais pas. Ça me fait plus penser à chose. C'est ça. Je vais l'arrêter, mais il faut que j'ai le temps exact. Si je peux. Merci beaucoup pour les étoiles. Partagez mon direct, s'il vous plaît. Partagez mes personnes. Non. Mais parfois, je suis dépassée quand je regarde les comportements. Je suis là et puis je regarde. La majeure partie du temps, la journée, je suis un peu sur les réseaux sociaux quand j'ai du temps. Mais la nuit, c'est sur YouTube, je m'en vais regarder les histoires, les documentaires, je m'en vais tout regarder. C'est pour ça que les gens ont peur de s'engager. C'est pour ça qu'ils ont peur de s'engager. Ils se disent qu'ils ne veulent même pas officialiser les unions. Hein? Merci beaucoup. Merci pour tant Rachel Bailly. Merci pour les étoiles. C'est pour ça qu'ils ont peur de s'engager. Et les gens s'éternisent longtemps dans des concubinages, tout et tout. Quand ils imaginent qu'il y a la dot qu'on doit les payer, il y a tout. Oui, la dot, on doit la payer. Tu vis avec l'enfant d'autrui, ben, il faut l'honorer devant sa famille. On est d'accord pour ce principe-là. Mais la famille aussi ne doit pas en faire un fonds de commerce. La dot est devenue un fonds de commerce. C'est l'arnaque des temps modernes. 31 minutes 50 secondes. Merci beaucoup. Ça, c'est le temps réel. Merci. La nappe des temps réels, comme c'est des temps modernes, des familles africaines, la dot. On peut maintenant dot pour aller presser l'autre, la femme. Ça dit que le jeune marié, là, on s'en presser maintenant, qu'on va aller le presser comme un citron. Le citron, au moins, même, il résiste à toutes les saisons. On est rendu là maintenant. On va aller maintenant au mieux offrant. Merci beaucoup. Avant là, les gens partent. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est gentil. Joyce et Sabahi, merci. Désolée de vous dire, j'espère que mon message a été assez clair. L'impacteuse est pour la dot. Moi-même, mes deux filles qui sont ici là, on va les doter. Le jour que quelqu'un dit qu'il les aime là, il va doter. C'est ma tradition, je tiens à ça. Maintenant, pour prouver aux gendres que ma fille est trop importante. Arrêtez même cette façon même de penser toujours que la fille est importante par rapport à l'homme. Arrêtez ça. J'ai dit que vos pratiques, l'arrêtez. Diluez un peu votre façon de revoir. Vous comprenez? Le monsieur qui vient avec ta fille aussi, là, il vient pour l'honorer aussi. Quoi qu'on dise, là, il y a l'honneur dans le mariage. Même soit il y a un mariage italien, il y a combien d'un an, le monsieur a dit, c'est l'honneur que j'ai reçu. Juste voir ma fille être mariée, c'était ça. Pourvu que vous durez ensemble. Et puis, bon, on a ri quand on a vu ce père-là avec beaucoup d'émotion. Donc, c'est un honneur. Mais, honneur où déjà on va vendre ça comme une marchandise, là. On est arrivé à réduire la femme. On est en train de chosifier la femme dans cette affaire. Ça dit que d'abuser dans cette affaire de la dot. C'est ça qui est la vérité. Voilà. Vous comprenez? En tout cas, merci beaucoup pour ceux qui m'ont donné des étoiles. Je vous dis infiniment merci pour votre soutien. Voilà. Sachez que je suis pour la dot, mais c'est toute la dérive. Comment c'est devenu là? Non, c'est pas correct. Il faut revoir parce que les enfants africains sont les plus défavorisés, sont les plus vulnérables dans le monde entier. Les enfants africains sont les plus... Désolé, l'Afrique, c'est le continent où le coût de vie n'est pas élevé.
pas lui dire, si vous pouvez te tuer cadeau là là. Quelqu'un a le, ici, quelqu'un, comme j'ai dit dans une vidéo ici là, quelqu'un peut vivre avec le diabète 50 ans, il peut vivre avec l'hypertension. C'est qu'en Afrique là, les AVC sont en cascade là-bas. Donc pourquoi vous ne préparez pas l'avenir des enfants? Préparez l'avenir des enfants. Tu as une jeune, tu as une jeune fille, tu as vu ma vidéo, elle dit, l'homme là, il veut te doter. Tes parents exigent un montant qui te dépasse là. Tu dis à tes parents, ça là, mon mari ne peut pas donner. L'argent là, c'est ça pleure. Là, on fait du bruit pour dire, oh, on a l'argent. Là, fais pas bruit. Tes parents exigent, tu dis à tes parents, ça là, mon mari ne peut pas donner. Et puis, ils vont faire quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu dis, mon mari ne peut pas donner ça. Ça dit, si tu as vu qu'ils ont tout exagéré, tu coupes la poire en deux. Tu leur dis vraiment, voici ce que nous, on peut donner. Il vient de commencer le travail, ou bien on vient de se connaître, ou bien on a des enfants, on ne peut pas trop faire comme ça. Trouver des arguments. Trouver des arguments, mais non, les femmes n'embarquent pas dedans. Vous embarquez dedans juste pour faire du matu vu. Oui, on est rendu dans un monde de matu vu aujourd'hui. Voilà ce que les matu vu donnent sur les réseaux sociaux. Matu vu, voilà ce que ça donne sur les réseaux sociaux. Donc ça se résume au comportement même des Africains, des Africaines. Les hommes encore, ça va sur ce côté-là. Mais les femmes là, c'est terrible. On vit au-dessus de ses moyens. Non. Tu vas vivre au-dessus de tes moyens, mais attends. Non. Si c'est, prenez soin de vous. Merci beaucoup. Et puis bon samedi chez vous. Au revoir.